Et les gens se sont aujourd'hui pour une petite vidéo sur Rainbow Six Siege. On est sur Yacht, comment ça défend sur mes bombes. Petite partie. Première partie de la journée, je crois. On va faire une partie. On est chaud, je sais pas. Oh là, putain. La gorge. Est-ce qu'on est chaud? Je sais pas du tout. On va voir si on va faire de la merde ou si on va bien jouer. On va prendre. On va prendre des pulses. Pulse avec la nitro. Oxurio de pulse. Ah, j'ai pas eu le temps de prendre le fusil à pompe. J'aurais bien pris le fusil à pompe, mais bon, c'est pas très grave. Donc là, en ce moment, on a pas mal de vidéos qui sortent, tout ça tranquillement. Il met pas mal de vidéos de Beyond ou des villes. Du Rift, j'en ai déjà filmé 3. Du R6, j'en ai déjà filmé pas mal. Du Planet Side 2, j'en ai. Pas mal aussi, voilà, une vidéo à vous proposer. Là, j'ai un jeu que j'ai téléchargé. Je vous fais une vidéo. Je sais plus si c'est dans la vidéo de Rift que je vous dis que je vais pouvoir faire du Watch Dogs 2 parce que mon frère l'a acheté. Du For Honor aussi. Sur plein de jeux, des jeux que voilà, comme normalement personne ne regarde, mais bon, c'est pas grave. Sur des vidéos, je sors du contenu. Il y a toujours des communautés sur quasiment tous les jeux. Mais vous avez vu, c'est du rétro gaming. C'est ce que de toute façon, c'est ce que moi. Comment je vais appeler cette série? En fait, tous les vieux jeux que j'ai, que j'ai envie de faire des vidéos dessus, je vais appeler Retro Gaming, Retro Games. Je vais faire les histoires de vieux jeux. Simplement. Comme ça fait du contenu, ça fait des vidéos, bah, que, en plus, là, qui sont vraiment essayer de faire intéressantes. Parce que c'est des jeux que je vais négliger, ça va être, voilà, des petites vidéos de 20, 30, 20 minutes. La vision de tous les vies, c'est 16 minutes. En fait, en 16 minutes, j'ai le temps d'arriver jusqu'à un point assez important où je pense qu'il faut mieux couper. Voilà. Je vais le recouper plus tard. On transfère entre les deux. Ouais. Voilà, on couvre rien. Je vais me faire éclater. On va se cacher en dessous. Capte rien. C'est bien, ce serait une IQ mais en défense. De toute façon, j'aurais les mêmes atouts que IQ mais qui sera en défense. Ça serait plutôt utile, moi je trouve. On n'a pas l'équivalent de. Ouais, si, on peut avoir l'équivalent de IQ en défense, mais. En plus, mais c'est pas vraiment la même chose. Ça passe pas en bas. On a tout le monde qui a déjà été touché chez nous. Là-haut, j'ai mon poteau qui s'est fait toucher. Le butage, je répète le truc. They're fucking with you, it's a rush. Go, go. Alors là, je m'attendais pas du tout à ce qu'il soit là. À deux, je fais vraiment de la merde aujourd'hui, c'est violent.
Je m'attendais pas qu'ils soient là à deux en fait, ça m'a surpris de ouf. Ouais. En fait, je m'attendais. J'aurais été avec mon pompe, j'aurais fait mieux, mais alors je m'attendais. Le truc, c'est que je m'attendais pas qu'ils soient là à deux en fait. Donc j'ai vu là les deux, je vois. Oh, what the fuck? What the fuck this shit? Et j'étais en mode ok, d'accord. J'ai vraiment. Après, j'ai tiré mal, après, j'ai mal shooté, voilà. Vraiment là, c'est pas énorme. J'aurais vraiment pu faire mieux avec mon pompe, j'aurais pim pim. Et après, l'autre, j'aurais eu en bas. Ça, là, ça, j'aurais réussi à faire ça. Ça a vraiment été un beau petit move, mais là j'ai vraiment fait de la merde. Là très clairement j'ai chié dans la colle. Question de jouer sur console avec le move de merde que j'ai fait. C'est un peu drôle quand même, mais bon, voilà. Ceci arrive souvent, souvent, souvent. Le dernier move, moi, souvent je me rate. Et c'est assez chiant parce que bon, ça me. Voilà. Souvent je suis à la fin, j'en trouve sur des bonnes positions. Où là j'aurais pu par exemple mettre deux têtes. Ok, bon, ils sont au même endroit que nous. Là par exemple, j'aurais pu réussir. Non, pas au même endroit que nous. Là par exemple, j'aurais peut-être pu réussir à mettre deux têtes ou je sais pas, peut-être faire quelque chose de mieux que ça. Et là, je suis dans la colle, là très clairement. C'était dégueulasse ce que j'ai fait. Mais bon. Ça arrive, hein. C'est parce que j'ai plus le biff de jouer en vrai. Voilà, je joue plus beaucoup à ce jeu donc. J'ai rejoint un petit peu plus là. J'ai repris à faire des vidéos dessus, j'ai joué un petit peu plus. Je rush beaucoup, oui. T'as pris la tête. Je vais tenter de les contourner. Ah putain, ah désolé, ça excuse-moi. Ah putain, j'ai. Je me suis chié là. Ah, je me suis bloqué avec la truc, ensuite j'ai raté la décale et je me suis fait avoir. J'aurais dû la planter ailleurs. Mais bon, c'est bon, ça va encore, c'était pas dégueulasse. Là, je me suis rattrapé de mon premier move un peu dégueulasse. De tout à l'heure, parce que tout à l'heure, c'est vrai que c'était dégueulasse. Bon, ça, je me suis rattrapé. J'ai mis deux têtes. Non, trois têtes. 3-3. L'autre, là, j'ai failli l'avoir. Tout à l'heure, si je l'aurais eu tout à l'heure, ça aurait été win direct.
J'aurais eu de là tout à l'heure dans le décal, mais j'ai raté ma décale et ouais, c'est ça qui m'a peut-être un peu désavantagé là sur la fin, mais bon, c'est pas très grave. On va s'en remettre, je pense qu'on s'en remettra d'une défaite. Je sais pas si s'en mettront aussi, c'est pas très grave de perdre, c'est qu'un jeu. Ouais. Mais très clairement, je pensais, je sais pas pourquoi, j'ai pensé que j'allais réussir à la. J'aurais dû décaler en fait, j'aurais dû décaler. J'aurais pas dû attendre, j'aurais dû continuer la décale. Et là, j'aurais peut-être eu plus de chances de l'avoir en continuant mon décale. Mais voilà, ça arrive, c'est pas très grave. Et voilà, faut. Là, je m'en mets dedans, là, je pense que je sais pas si je vais refaire une deuxième game après. Oh, le shoot que j'ai, putain. J'ai chaud face à un drone, ce que je rate. Là, on aurait eu un thermite. Ça aurait peut-être été un peu plus simple. Mais sans thermite, c'est vrai que c'était T-shirt. Je sais pas trop où c'est que je vais me foutre. Personne sur B. Salon, salon, salon. Oh putain, oh je fais de la merde. Oh putain, alors désolé, la grosse partie de merde que j'ai fait. J'étais droit en face, putain, 3 contre 3, je crois que c'était. Contre 3, on a réussi à perdre, ah, c'est dommage, ah, c'est dommage. Bah, c'était Maestro, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker si vous avez la chaîne de mon frère, il n'y a pas encore sorti de vidéo, mais voilà, c'est pour le mettre dans la description, c'est l'habitude. Mais c'est au moins une habitude. C'était Maestro. Ciao, bye bye. Allez. À plus dans le bus et demain dans le train.